Après avoir invoqué la grande cétacea, Ryu et ses amis s'envolent vers le ciel afin de découvrir comment vaincre le Seigneur des Ombres. Ils trouvent l'île dont Benedictus leur a parlé, ils pénètrent dans le temple qui se trouve sur cette île et rencontrent un enfant, le dernier des veilleurs. Ryu trouve la flamme sacrée au cœur du temple, puis s'intéresse aux pousses de l'Yggdrasil situées à quelques distances. En les étudiant de près, elle lui offre chacune une vision. Erdwin, l'éclairé légendaire, ses compagnons trouvent tout d'abord un minerai, puis un très grand marteau, et enfin fabriquent une puissante épée dans une forge énorme. Nos héros réalisent que l'arme façonnée par ces héros légendaires n'est autre que l'épée de lumière. Ils décident alors de partir à la recherche de ces éléments afin de se forger une épée semblable. Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 78e épisode du Let's Play sur Dragon Quest 11. Donc dans l'épisode précédent, on est reparti du lieu où il y avait l'enfant et l'épouse d'Yggdrasil pour nous rendre vers l'autre île afin de récupérer le minerai. Cette autre île s'appelle l'Alice et c'est là où nous sommes actuellement. On a visité un petit peu, là on va continuer notre visite. Mince, j'ai pas eu le temps d'attaquer. Un truc contre les morts vivants. Surrender your soul! Un petit peu énervé lui. Allez, des capuchins qui apparaissent. J'aurais peut-être dû faire autre chose. Ça a bien marché. Another day, another be- Une inscription était gravée sur la vieille pierre. On dirait qu'elle est l'œuvre des veilleurs. Cette île abrite pas seulement veilleurs, abrite aussi minerais. Minerais spécial. Minerais pour chasser ténèbres. Minerais fabrique armes spéciales. Armes pour ramener espoir. Armes pour sauver Elria. Ok, bon. On est sur la bonne piste. On va se faufiler là. T'es pas gros là, tu grimpes et tu peux passer, non? Et il fait même pas d'effort. J'aurais bien aimé ouvrir la carte. Parce que je pense qu'on va pouvoir retourner là dans la zone avec le coffre. Sont arrivés monstres serviteurs d'obscur, venus pour voler minerai, combat violent. Veilleurs combattent monstres, beaucoup de sang versé, beaucoup de sacrifices. Terre en paix ravagée, appelée maintenant Lys. Ça m'a l'air bien trop calme par ici. Ah, il y a une petite dame. Là-bas, il y a un coffre avec plein de monstres. «
Bonjour, petite dame. Bonjour, mon chéri. Ça te dirait de faire un... Ça te dirait un petit pouf-pouf rapide? Oui. Par ici, mon chou. Bon, bah, on va la suivre. C'est par là? Oui. Ok, elle est là-bas. Ouais. Parfait, ferme les yeux, on va commencer. Don't be nervous now. Just relax. Ne sois pas nerveux, détends-toi. Oh, you're so muscly. Let me work out these knots. Oh, comme tu es musclé, je vais m'occuper de ces nœuds. Does that feel good? You'll tell me if it hurts, won't you? Est-ce que ça te soulage? Tu me dis si je te fais mal, d'accord? Ok, all done. You can open your eyes now. Ça y est, j'ai terminé. Tu peux ouvrir les yeux. Ah, c'est Cinderella qui a parlé? La tête de notre personnage. To take the plunge, darling. C'est le moment de faire le grand saut, mon chéri. 3, 2, 1. Pouf, pouf. Elle est dingue, la petite dame. Faut pas me faire faire ça. Moi. Ok, c'est la corde qui fait bruit du pouf, pouf. T'as fait quoi? T'as eu l'impression d'être au paradis, pas vrai? J'appelle ça le pouf-pouf des dieux. Bon, viens me voir si tu veux recommencer, je t'attendrai. Décerné pour avoir expérimenté le plaisir du pouf-pouf sous toutes ses formes. Ok. Bon, bah. On a fait tout le pouf-pouf. Et on a vu qu'il y avait la zone avec le coffre. Bonjour les monstres. Je ne fais que passer. Truc bizarre. Alors là, il y a une porte grise dont je n'ai toujours pas la clé. N'hésitez pas à me dire si vous savez comment trouver la clé. Un œil bleu. Agate d'évolution. Non, non, je m'en vais, je vous laisse entre vous. Je crois que c'est de par là que je viens. Non. La porte est verrouillée. Je ne fais que passer. Tout
cas, c'est vrai qu'il n'y a pas le monstre. Un grain d'or. Hachoir. Mince. Un peu plus de coups critiques, mais moins puissant. Donc. Par là, ça. Ok. Ok. Dracolite, ouais. En tout cas, on a exploré une bonne partie de la zone. Ah, petite tombe. Une inscription a été gravée sur la vieille pierre. On dirait qu'elle est l'œuvre des meilleurs. R.A. était en paix, puis venu désastre. Obscur arrivé, espoir a laissé place au désespoir. Seul éclairé peut le vaincre, et seulement avec épée. Épée en minerai précieux. Déjà visité en dessous. Non, on va aller voir au-dessus. Parce que là, après, il y a un chemin vers la grotte oubliée. Toi, on va te combattre. Je sais pas ce qu'ils ont avec avec Henrik, mais. Pas qu'il n'y ait pas de magie, c'est un peu nul. Our triumph was never in doubt. Lui m'a vu par contre. Mécano toqué, ok. Okay.
socks up. You shall not prevail! M'énerve. Not bad. Là, lui, on l'a eu. Là, je crois que là, j'ai eu toutes les grottes. Non, non, tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas vu. Je prends juste les petites... Non, tu ne m'as pas vu, je m'en vais, je m'en vais. M'avez pas vu, je suis tout à fait discret. Ok, direction la grotte. Est-ce que ça sent le boss? Moi je dirais que oui, forcément. Ça paraît bien trop simple. Something tells me we found our special ore. Mon petit doigt me dit que nous avons trouvé notre métal spécial. You have got to be kidding me. J'arrive ou quoi? Honey, are you okay? Tout va bien mon lapin? I'm more than okay. Do you know what this is? It's orichalcum. Do you have any idea how much this stuff is worth? Toi, plus que bien. Tu sais ce que c'est de l'oricalque. Tu sais combien ça vaut un truc pareil. Oricalcum? Well, well. I've read about it in books, but I've never seen it with my own eyes. Are you sure, laddie? De l'oricalque, ça alors. Je l'avais déjà vu mentionné dans des livres, mais je ne pensais pas un jour voir de mes propres yeux. Mais es-tu bien sûr, mon garçon? Am I sure, he asks? You bet I am. I steal valuable stuff for a living, remember? This is it, the rarest metal in the world. I wish Mia was here to see this. Si j'en suis sûr, tu parles que j'en suis sûr. Je te rappelle que les objets de valeur, c'est mon gagne-pain. Et ça, c'est le métal le plus rare et le plus précieux au monde. Si seulement Mia était là pour le voir. So this is the ore we were looking for. I should have guessed. Imagine what a fortune you could make with a lump this big. C'était donc ça, le minerai qu'on cherchait. J'aurais dû m'en douter. Imaginez un peu la fortune qu'on pourrait se faire avec un gros morceau gros comme... Sorry, got a little carried away there. Don't worry, I get it. This here ore is strictly for sword making. Désolé, je me suis laissé emporter. Ne vous inquiétez pas, je comprends. Ce métal est strictement réservé à la fabrication de l'épée. Ryu obtient un morceau de calque. Ça me paraît bien trop simple. We're one step closer to making that sword, but we've still got a way to go. Let's hit the road. On a franchi une nouvelle étape dans la fabrication de cette épée, mais la route est encore longue. Allons-y. Je ne fais que passer. Merci. Je ne fais que passer là aussi. Mmh.
Et encore la dame du pouf-pouf. Alors là, je veux juste voir si j'ai récupéré le coffre, c'est pour ça que je reviens à pied. Fermé, on est d'accord. Faut que je trouve comment le récupérer. Parce qu'en plus, comme il nous nargue comme ça, il y a peut-être une mini médaille ou un truc intéressant à prendre dedans. Ça sent le monstre qui va apparaître. Chronocristal. Ça veut sûrement dire que j'ai pas visité l'autre partie. Hop, tu m'as pas vu. On va aller où? Pas vu, je passe seulement encore une fois. D'ailleurs, maintenant je peux me re-téléporter vu que on a notre morceau d'oricalque. Et là, on va aller à Gallopolis. C'est le lieu qu'on avait vu qu'il y aurait sûrement le marteau. So the rumors were true. Erdwin's lantern descends towards Gallopolis. Les rumeurs étaient donc vraies. L'astre d'Erdwin descend sur Gallopolis. Ah. They say it began when Yggdrasil fell and darkness covered the land. But why? What is happening to our world? Tout aurait commencé lorsque Yggdrasil est tombé et que les ténèbres se sont abattues sur le monde. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tout cela signifie? Un petit fantôme. Erdwin's lantern, eh? L'astre d'Erdwin? In Dundrasil, we had a legend that after Erdwin defeated the Dark One, he ascended to the skies as a star, so he could watch over Erdria for all eternity.
À Fordrazil, une légende disait qu'après avoir vaincu l'obscur, Erduin avait pris la forme d'une étoile pour s'élever dans le ciel et veiller sur Elria pour toujours. That was one of Eleanor's favorite stories. C'était l'une des... I always thought it was just that, a story. C'était l'une des histoires préférées d'Eleanor. J'ai toujours cru qu'il ne s'agissait que d'une histoire. But now I'm not so sure. I mean, if the Lord of Shadows' rise caused Edwin's lantern to descend, mais j'en suis plus sûr à présent. Si le retour du Seigneur des Ombres entraîne la chute de l'astre d'Erduin. Are you even listening, laddie? Oh, charming. Well, I can share my musings with you again if you'd like. Est-ce que tu m'écoutes au moins, mon garçon? Pff, franchement, je peux à nouveau te faire part de mes réflexions si tu le souhaites. Heard everything you needed to hear, did you? All right then. Tu as écouté attentivement cette fois? Bien. Well, I suppose this is no time to be standing around pontificating. The lantern's on course to crash straight into this fair kingdom. J'imagine que mon moment est mal choisi pour rester ici à discuter de la sorte. L'astre est sur le point de s'écraser sur ce beau royaume. We'd best go and see what the Sultan thinks of all this, eh? Nous ferions mieux d'aller voir ce que le sultan pense de tout ceci. Moi, je veux sortir déjà. D'ici, parce qu'on avait une quête dans les dunes. Je vais trouver une rose de je sais plus quoi. Par contre, c'était quoi cette espèce de chevalier en monture brillant? Did I do all right? Décerné pour avoir chevauché avec succès toutes les montures qui pouvaient l'être. Ok. Ça, ça va être un monstre. On va aller par là-bas. Par contre, il est un petit peu lent là, hein, le cheval. Le cheval, c'est génial, mais c'est un peu lent. Hop, ça. En orange, ça vient le truc de la quête. Rose des sables, ok. Wow, c'est quoi cette bête? Thank you.
mon chargeur. Ciao Ryu, comment? Tu as trouvé ma rose des sables? Tu me l'as portée, Santo Cielo. Elle est faite de cristaux. Ah, Madganatura, mère nature et histoire de miracles. J'ai enfin vu ce que mon bien-aimé voulait m'offrir. C'est si beau et bellissimo. C'est aussi un symbole. Cela représente le fait que la vie finit toujours par l'emporter. C'est strano, vraiment étrange. Quand je regarde cette fleur, je crois entendre la voix de mon bien-aimé me murmurer à l'oreille. Il me dit de profiter de la vie. Si, il a raison, non? Le monde peut être plein de miracles, je peux d'en profiter. Ensuite, peut-être que je pourrais tout raconter à mon bien-aimé quand nous nous retrouverons enfin. Grazie mille. Grazie mille. Je me sens beaucoup plus forte maintenant. Molto più forte. Prego, prends ceci, per favore. C'est bien peu de choses, mais je tiens à ce que tu l'aies. Chapeau de félicité. Magie. Je crois que j'avais réussi une quête de l'Académie des médailles. Elle aveugle le sol plus chèrement possible, je crois. Moi, je suis pas élégant, je m'en moque. Je m'en moque de l'élégance. Contente de te revoir, mon cher. Es-tu parvenu à retrouver Anne-Lise et lui donner son diplôme? Ryu explique à Madame Augustine qu'Anne-Lise n'est plus de ce monde, mais qu'il a pu remettre son diplôme à sa petite fille Anne. Oh, vraiment, il était trop tard alors. Après la chute du royaume, les habitants de Zwardros se sont dispersés, cherchant refuge ici et là. Un nombre d'entre eux n'avaient même plus la force de vivre. Mais Anne-Lise était ce qu'on appelle une dure à cuire. Elle s'est donné énormément de mal pour que sa famille s'en sorte. Merci mon cher, merci d'avoir remis ce diplôme. À présent, je peux prendre ma retraite sans regret. Tiens, voilà pour toi, ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que cela te sera utile pour la suite de ton voyage. L'art d'éblouir. Ok, donc smoking scintillant, ça va peut-être me permettre de créer ce costume qui me manque, enfin, pour la quête. Crypte à l'est du auto. Ok. Divers. Catalogue des quêtes. Ah, ça, je peux le faire, mais. Vous avez demandé de le porter du sel d'Aizé. Ok, il faudra que j'aille à Tahitirea. Puerto Valor. Sona Dioto. Ouais, il y a plein de Tahitirea. Des
quête à l'auberge du repos du guerrier, boutique Arboria, Osnarfeld, je sais plus où c'est. Et à Nautica. Ouais, ok. Ça, je ferai en off, je pense, les amis. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me téléporter. Je vais me téléporter au camp. Oh, Snarfeld, voilà. Non, Snarfeld, c'est, ouais, c'est la route de glace près d'Arborea, et je pense que c'est le truc au nord. Sahel voyageur, je suis un soldat de Sniffelheim. Je suis venu ici avec mon jeune frère pour éradiquer les machines à tuer qui, depuis quelque temps, infestent le Snarfeld. Tout se passait comme prévu jusqu'à l'apparition de ce robot, couleur rouge sang. Un type go, terrifiant, bien plus puissant que ses cousins, aux envies de meurtre incontrôlables. Nous sommes battus contre cette créature de toutes nos forces et avons enfin fini par l'emporter, mais à quel prix? Mon frère n'a pas survécu à ses blessures. Quant à moi, je me suis traîné jusqu'à cette cabane où je me repose. Hélas, je n'ai toujours pas la force de me tenir debout. Depuis la mort de nos parents, mon frère était ma seule famille. Nous avions juré de rester toujours ensemble. Je ne pardonnerai jamais à ce type go de mal l'avoir arraché. Je n'aurai pas de repos tant que tous les types go d'Alrea ne seront pas réduits à un tas fumant de boulons et de ressorts. Ils paieront au centuple pour la douleur qu'ils m'ont causée. Tu te bats pour la justice, n'est-ce pas? Pendant que mes blessures guérissent, accepteras-tu d'éliminer en nom un type go? Tu acceptes, merci mon ami. Ces types go sont les commandants des armées d'Orvo. Ils n'apparaissent qu'aux côtés des machines à tuer et leurs sous-fifres. Ils ne se montrent que rarement sur le champ de bataille, mais si tu affrontes sans relâche leurs subordonnés, l'un de ces démons finira forcément par montrer son horrible tête. Les machines à tuer se rassemblent dans le Snarfeld, à proximité du fjord gelé. Les types go ne seront pas très loin. Mais je t'en prie, sois prudent, base-en un et rapporte-moi un morceau de son mécanisme interne en guise de preuve. Cela suffira. Ces monstres doivent payer pour leur acte, mais pas au prix d'autres vies. Ok, bah ça sont des quêtes que je ferai en off, les amis. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me téléporter au camp. Le Snarfeld au camp. On va s'arrêter là pour cet épisode. En off, je vais essayer de me créer le costume. Puis je vais essayer de tuer ces machines pour avoir les types go qui apparaissent. Donc nous, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et on va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Dragon Quest XI. A bientôt, ciao.